ông quỳ chọc ông dùng ra cả mình to cái mặt cá này để xin tham mặt cá năng phá được cá chun từ mình chuẩn bị ông ta cứ xế năng bây mình to thôi sẽ đây sẽ là than rồi bọc luôn Merci Monsieur le Président. Et avant de passer à la question de la responsabilité de M. Kyosampan, mon équipe a attiré mon attention sur le fait que j'avais oublié un thème que j'avais prévu d'aborder aujourd'hui. Et je voudrais revenir, il s'agit du traitement des bouddhistes. Et pour moi, ce traitement des bouddhistes, pour nous, au sein de l'équipe de défense de Kyosampan, c'est la parfaite illustration des dérives qu'il y a eu tout au long de cette procédure sur la question de la saisine. Et je vous renvoie en détail, pour le détail, au paragraphe 1487 à 1526 de notre mémoire finale. Une petite chronologie pour comprendre. Réquisitoire introductif. L'accusation demande au juge d'instruction d'instruire sur des faits survenus dans des lieux précis en rapport avec les bouddhistes. Paragraphe 72 du document Détroit. Deuxième étape, les juges d'instruction font mine d'avoir été saisis sur l'ensemble du territoire de la question des bouddhistes pour pouvoir enquêter sur tout, mais en réalité, ils n'ont enquêté que sur des sites qui étaient inconnus des réquisitoires, qui ne figuraient absolument pas sur le réquisitoire introductif. Troisième étape, l'accusation au moment du procès 2 demande dans des écritures E301-2, paragraphe 14, que les accusés ne soient jugés que sur des faits de Tramcock, alors qu'ils savent, puisque c'est eux qui ont introduit leur réquisitoire, qu'ils n'ont jamais été saisis, enfin qu'ils n'ont jamais plutôt saisi les juges d'instruction de faits concernant les bouddhistes à Tramcock. La comparaison des documents est extraordinaire. Et nouvelle étape, dans leur mémoire au paragraphe 381, les coprocureurs vous disent le contraire de ce qu'ils vous ont dit dans leur réquisitoire de départ. Ils vous disent que la preuve a montré que dans tout le pays, des crimes ont été commis contre les bouddhistes. Voilà une autre illustration de ce que j'indiquais hier et qu'il convient d'écarter en toute équité à l'égard des accusés. Aucun réquisitoire supplétif pour des faits de bouddhistes à Tramcock. Vous pouvez le chercher, vous n'en trouverez pas. Aucun. Et puis après, on vous dit, ah non, mais on veut finalement que vous circonscriviez que à Tramcock une localité dont il n'avait pas saisi les juges d'instruction. Vous devez écarter, purement et simplement. J'en viens maintenant, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, à la question de la responsabilité de Monsieur Kyosampan. Et là, je suis obligé de rebondir sur les réquisitions de Monsieur le coprocureur international, parce que j'ai entendu pour la première fois une nouvelle théorie, le gang des trois. Ça sonne comme un titre de film. Le gang des trois, bah, c'est nouveau. Le gang des trois, ça aurait été Nguyen Chea, Pol Pot et Kyosampan. C'est un peu nouveau comme une mise à jour d'un livre de Locard. Une nouvelle interprétation des faits opportunistes, parce que ça sonne bien, que ça va être repris dans la presse. Alors, moi, je me suis demandé, est-ce que si Yeng Sari était toujours en vie, ça aurait été le gang des quatre? Et puis si Yeng Tirit avait été apte à être jugé, était toujours en vie, ça aurait été le gang des cinq? Si je comprends bien, en fait, on a un chiffre qui varie en fonction de son espérance de vie.
S'en serait presque risible si ce n'était pas la preuve que l'accusation est convaincue que quoi qu'elle dise, votre décision ira dans son sens. Coupable par association, c'est l'expression qui avait été utilisée de l'autre côté de la barre. Et mon confrère Copé vous a souligné aussi le caractère plus que léger de l'argument des repas entre Que Sampan, Pol Pot et Nong Chia pour dire que c'était le centre du centre, eux le vrai pouvoir. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du fait que Sampan, le centre du centre, le cœur du pouvoir, il n'ait jamais été membre du comité permanent? Alors on vous fait des jolis graphiques, hein, on vous a fait ça sur l'écran en vous disant, regardez le pic là, il y a une petite barre bleue qui montre à quel point que Sampan était présent au comité permanent. Sauf qu'on oublie de vous mentionner que ces statistiques et ces beaux graphiques ils sont faits sur des PV qui s'arrêtent en 76. Ce qui veut dire que après 76, c'est-à-dire notamment sur la question des génocides à l'égard des Vietnamiens et des Cham, on ne peut pas se baser sur une éventuelle participation ou une prise de décision dans des PV de comité permanent. Ça, on ne vous le dit pas. Et puis en réalité, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau par rapport au dossier 2.1 en ce qui concerne la responsabilité de Que Sampan? Il n'y a rien de nouveau, mais on vous présente les mêmes témoins en vous, en surtout se gardant de vous présenter les contradictions qui ont été mises en avant. Et là, je suis obligée de prendre peut-être l'exemple le plus emblématique qui est la partie civile MEN. Alors MEN, c'est vrai que vous l'avez vu en nouveau vidéo, on vous a fait un petit clip là, bien circonstancié, on coupe de là à là, puis on oublie de vous parler du reste de sa déposition et notamment des interrogatoires de la défense. Et c'est dommage parce que quand même, la crédibilité de la partie civile ME, elle a été plus que mise à mal par l'interrogatoire de la défense, les interrogatoires de la défense. Souvenez-vous, M.E.N., c'était celui qui vous expliquait qu'il était sûr qu'il avait vu que Sampan, c'est sur une question de session d'éducation. Il était sûr qu'il avait vu que Sampan et qu'il était sûr que c'était lui parce que son père lui avait dit qu'il était président du présidium de l'État. Et c'est ce même M.E.N. qui vous dit que Sampan était président du présidium au moment où il l'a vu, alors que nous savons que Sampan a été nommé président du présidium en 76, qui vous dit que c'est son père qui lui a donné cette information, un père dont il dit qu'il est décédé avant le Kampuchea démocratique. C'est le même personnage, c'est la même partie civile qui répond à mon confrère Kok Samun. Quand on lui demande les circonstances du décès de sa mère, qui vous donne trois versions différentes complètement contradictoires. Et c'est sur cette partie civile qu'on se base pour vous dire voilà la preuve qu'il y a eu des sessions d'éducation avec Que Sampan. Je vous avoue, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, que j'ai presque été tentée, à tel point j'avais pas envie de répéter ce qui avait déjà été répété, de vous jouer la vidéo, puisque c'était un procédé qui a été bien utilisé dans la Chambre, vous jouez la vidéo où on me revoit plaider sur Amen. C'est pour ça que je vous dis rien de nouveau, je ne vais même pas m'attarder sur beaucoup d'exemples, parce qu'il y a des choses qui ont été dites et redites, sauf que l'accusation prend des éléments partiels. Et là, je vous renvoie au plaidoirie de la défense du 28 octobre 2013. C'était le PV d'audience E1-235.1. Et je ne vais pas vous refaire toute la démonstration, vous relirez, mais je vous dis quand même les conclusions que j'avais tirées à ce moment-là. C'était après 14h02:40,
Et voilà les conclusions. Je venais d'évoquer les différentes versions qui ont été données sur des éléments importants de la déposition de cette partie civile. Et voilà ce que je vous disais. Alors moi, je ne sais pas où est la vérité dans tout cela. Je ne sais pas pourquoi il y a cette multitude de versions. Mais ce dont je suis certaine, c'est que vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce témoignage pour croire que cette partie civile peut retenir mot à mot ce qu'aurait dit il y a 40 ans que Sampan dans une hypothétique session d'éducation. Fin de citation. Donc, je ne vais pas vous infliger ça, monsieur le président et messieurs de la Chambre, je vais vous infliger une deuxième plaidoirie sur ce qui a déjà été dit. Mais deux, trois exemples quand même. On vous parle de Song Sikun à l'appui de la théorie du gang des trois, mais il est loin de corroborer cette thèse. On vous l'a joué aussi en vidéo dans cette salle. Mais Song Sikun est venu témoigner effectivement dans le premier procès. Voilà ce qu'il disait, audience du 14 août 2012, PVE1/107.1. Et ça commence avant 15h34 et 02 secondes. Là, il parle de Que Sampan et voilà ce qu'il dit. Il n'exigeait ni ne demandait à jouer un rôle dirigeant dans le parti. Il se soumettait au parti et c'était au parti de juger si oui ou non nous avions la capacité d'entreprendre une tâche quelconque que le parti lui aurait assignée. À ce moment-là, à cette époque, M. Que Sampan, comme d'autres d'ailleurs, croyait fermement dans la direction politique du PCK. Et avant 1975, le Parti communiste du Kampuchea avait obtenu des résultats remarquables en défense de la cause nationale. Et c'est pour cela qu'il nous avait convaincus de nous soumettre au parti. C'est tout cela qui nous a convaincus de nous soumettre au parti. Et puis, pour nous parler du gang des trois et du pouvoir, super-pouvoir qu'aurait eu de 100 ans, je poursuis sur cette même audience à 15h35. Song Sikun donc répond et il dit qu'il assurait l'interprétation pour les médecins qui examinaient l'état de santé de l'épouse de l'ambassadeur. Et voilà ce qu'il dit. Maître, cela veut littéralement dire que le statut de M. Que Sampan ne différait nullement de celui du personnel médical du ministère. Cet exemple le montre très clairement. Il y a toute une série d'autres exemples, mais je ne me souviens pas de tous. Fin de citation. Et il me semble que nous l'avons plaidé également dans le procès de 1, que vous retrouverez dans nos écritures de l'époque. Mais il y a une partie qui a été consacrée à Song Sikun, où il parle de la période également après 1979, où il vous explique que lors de négociations, il avait plus de pouvoir, lui, que Sampan. Parce qu'on nous dit qu'ils sont restés à jamais, ils sont restés liés jusque dans les années 90. Parce qu'après, comme on a arrêté la compétence du tribunal à 1979, après on oublie qu'il y a une poursuite du conflit armé. On oublie aussi que Samdem Sihanouk, que l'on a convoqué à plusieurs reprises dans cette audience, lui aussi s'est rallié parce qu'il considérait que la guerre contre le Vietnam était trop importante et qu'il fallait s'allier même avec les Khmer Rouges, qu'il ne portait pas dans son cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à deux Pas grand-chose. Ah, si, il y a témoins et partie civile. Trois personnes, mon confrère Kong Samon l'a évoqué, Chidip, que Sampan aurait prononcé un discours sur le mariage. Ça vient tout à fait opportunément dans le cadre du procès de deux et mon confrère Kong Samon vous a rappelé la chronologie de l'apparition, de la première apparition de M. Que Sampan dans ses déclarations. Alors oui, Que Sampan aurait distribué des kramas ou parler d'ennemis, un certain Prep Chokun. Là aussi,
déclaration arrivée à la dernière minute. Puis il y a aussi Tuxitan, nouveau témoin demandé par l'accusation, qui vous explique qu'elle s'est retrouvée dans un bureau et qu'en fait elle a rempli un formulaire pour M. Kesampan dans le cadre d'une commande de médicaments. Soit. Qu'est-ce que ça apporte vraiment au fond? Ça ne change rien à ce qui a déjà été dit, ça ne change rien à ce qui a été plaidé. Donc je vous renvoie aux plaidoiries et aux arguments que nous avions en première instance. Mais en réalité, les fonctions de Kesampan pour l'accusation s'en est presque assez accessoire. Il suffit de prononcer le mot commerce, le mot 870 ou encart, et puis on est satisfait. Est-ce qu'on peut appeler ça de la démonstration? Et puis est-ce qu'on peut appeler ça de la démonstration lorsqu'il y a des choses qui ont été tranchées et qu'on fait comme si ça n'existait pas? On vous dit de l'autre côté de la barre, à chaque fois qu'il y a le mot 870, on vous dit que c'est la preuve que Kesampan était au courant. Pourtant, ce n'est pas ce que vous avez tranché dans le procès de 1. Et je vais relire vos conclusions dans le jugement de 1 au paragraphe 399. Après un examen de l'ensemble de ces éléments de preuve, la Chambre considère qu'il n'est pas établi que Kesampan ait été à un quelconque moment président du bureau 870. La Chambre ne saurait donc dire si Kesampan a vu tous les télégrammes et documents passant par le bureau 870 ou envoyés en copie à celui-ci. En particulier, tous ceux qui ne concernaient pas les domaines relevant de la responsabilité propre de l'intéressé. Fin de citation. Mais l'accusation fait comme si vous n'aviez pas tranché ce point. Et elle le fait d'autant plus que au niveau de son argumentation sur l'intention génocidaire de M. Kesampan à l'égard des Tcham, elle vous cite un télégramme de 870, adressé à 870. Donc là encore, supposition, thèse, ce n'est pas une démonstration. Alors on vous dit aussi avec un grand effet d'audience, mais la preuve que M. Kesampan était au courant de tout, et notamment sur les centres de sécurité, c'est qu'il y avait le premier prisonnier, Samdem Sihanouk, qui était au Palais Royal. Je n'ai pas bien compris quel était le rapport entre les centres de sécurité et le Palais Royal. Mais bon. Un autre point aussi, puisque, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup parlé de Samdem Sihanouk. On vous a même diffusé une vidéo où il évoque ses visites dans les coopératives et où il vous dit les conditions détestables des gens qu'il a vus à ce moment-là. Sauf qu'on oublie de vous dire qu'il y a aussi une autre vidéo où il dit le contraire. Et là, je vous renvoie à l'audience de plaidoirie du 25 octobre 2013, PV E1-234.1, où une vidéo de Samdem Sihanouk interrogé à l'époque par des journalistes français, il me semble. Voilà ce qui est dit. Il explique qu'il allait chez le dentiste quelquefois avec sa femme. Il dit, un petit peu avant 11h01:47, eh bien, je voyais les gens dans les rues, mais qui venaient de leurs usines, qui rentraient chez eux. Mais ces gens-là n'avaient pas l'air malheureux. Question de journaliste. Vous parliez à ces gens? Réponse de Norodom Sihanouk. Je ne pouvais pas parler puisque je ne faisais qu'aller chez le dentiste. Mais avec Kesampan, nous avons visité quelques coopératives. Nous avons visité des rizières. Nous avons visité des chantiers de travaux manuels. Mais ces gens n'étaient pas malheureux, n'avaient pas l'air terrorisés. Ils n'étaient pas sous-alimentés. Fin de citation. Alors voilà
deux extraits vidéo qui disent deux choses complètement contradictoires. C'est ça aussi le problème quand on n'a pas des gens à la barre que l'on peut confronter aux déclarations intérieures. Alors, les circonstances ont fait qu'il n'y a pas pu avoir de témoignages de Norodom Sihanouk, mais qu'on ne vienne pas me prendre une vidéo sortie de son contexte et du contexte de déclaration ultérieure, postérieure, etc., où il y a des choses qui sont dites et qui sont complètement contradictoires. Et pourquoi finalement on parle de choses qui ont déjà été dites, on a essayé d'avoir des témoins sur jusqu'à la dernière minute, mais au fond, ce n'est pas tellement ça l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. Le vrai fondement de la responsabilité dans la thèse de l'accusation, c'est l'entreprise criminelle commune. C'est ça le vrai fondement. C'est la participation supposée de Kyo Sampan à un projet criminel commun, en partie criminel, disait le co-juge d'instruction, qui devient maintenant dans le mémoire des coprocureurs au détour d'une note de bas de page, la note de bas de page 747, entièrement criminelle, parce que c'est plus simple. Alors oui, effectivement, c'est plus simple. Et pourquoi c'est plus simple? Ah, parce que le droit est venu à la rescousse, ou une interprétation particulière du droit, avec une création sui generis de la Cour suprême, puisqu'elle a créé de toutes pièces une forme d'entreprise criminelle commune de la forme 1, qui est une entreprise criminelle commune de forme 3, très mal déguisée. Et c'est la même critique que j'ai pu formuler hier vis-à-vis de la question de l'interprétation d'une jurisprudence d'après-guerre sur le crime et l'abaissement de l'intention avec le dol éventuel. C'est la même chose que la Cour suprême a fait dans le cadre de l'entreprise criminelle commune. Et pour bien comprendre pourquoi c'est une aubaine pour l'accusation, il faut rappeler quelle a été leur position tout au long du procès de 1 et avant l'arrivée de cette aubaine de la Cour suprême. C'est tout frais, cette position. Je rappelle que dans leur mémoire, les coprocureurs rappellent au paragraphe 217 que le CC3 a été jugé inapplicable. Vous-même avez pris une décision pour rappeler qu'elle était inapplicable. Et puis maintenant, ils vous soutiennent au paragraphe 218 que les accusés sont renvoyés en jugement au titre de l'ECC1, qui est, selon eux, une forme qui convient parfaitement au procès de deux. En anglais, squarely fits the facts of case 22. Et ils vous disent au paragraphe 259, et je vais citer également en anglais, in the view of the co-prosecutors, GC1 best describes the liability of Yun Chia and Kyo Sampan for all crimes within the scope of case 22. Et c'est bien la première fois qu'ils le disent, hein, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre. Ça fait 10 ans qu'ils plaident que en faveur de l'ECC3 parce qu'ils pensaient que c'était le seul moyen d'arriver à une condamnation. Depuis l'ordonnance de clôture, ils ont milité pour appliquer non seulement le CC3, mais également les autres formes. Je rappelle que en 2011, au début du procès, avant disjonction, l'accusation demandait à ce que le CC3 soit applicable au CETC. Vous avez pris une décision contraire comme la chambre préliminaire. Malgré cela, dans leur mémoire du 27 septembre 2013, document 295-6-1 au paragraphe 683, on vous demande d'appliquer le CC2 cette fois-ci.
Et dans ses plaidoiries finales, dans ses réquisitions, monsieur le procureur William Smith vous dit, 21 octobre 2013, PV d'audience E1-231.1, vers 15h27 et 16 secondes, voilà ce qu'il vous dit. Mesdames et messieurs les juges, la forme systématique de l'entreprise criminelle commune constitue la qualification juridique la plus adaptée à la responsabilité des accusés en l'espèce. Ce dossier est la définition même d'un système connu de violence et de mauvais traitement à l'encontre d'une population civile. Et puis, vient 2014, au début du procès de 2, mais avant le jugement de 1, et là l'accusation vous annonce sa volonté de faire appel de votre diffusion, explique à l'audience initiale du 30 juillet 2014, E1-240.1, entre 10h12 et 10h14, et c'est monsieur le coprocureur international Koumian qui parle, et voilà ce qu'il dit. Nous pensons que la question de l'entreprise criminelle commune 3 est très importante et aura un impact sur 2-2. Ensuite, il vous explique pourquoi ils vont faire appel. Et il vous dit, nous allons demander à la Chambre de la Cour suprême de statuer que l'entreprise criminelle commune 3 faisait partie du droit pénal international en 1975, qui est la jurisprudence dans d'autres tribunaux internationaux. Cela signifie que des crimes qui étaient hors de l'intention de l'entreprise criminelle commune, qui n'étaient pas des objectifs de l'entreprise criminelle commune, mais qui étaient des conséquences naturelles et qui avaient pu être prévues par les accusés. Et donc, ces personnes pouvaient être tenues responsables de ces crimes. Et à cette même audience, monsieur le coprocureur international prend un exemple et vous dit, c'est très intéressant pour nous deux. Par exemple, le viol est un excellent exemple. Les allégations de viol dans 2-2, selon nous, il s'agissait d'une conséquence naturelle et prévisible des autres aspects de l'entreprise criminelle, de persécuter, de torturer et de forcer des couples à se marier. Fin de citation. Donc là, on parle de conséquences naturelles et prévisibles, on n'est pas dans le projet commun. Et puis, la bonne aubaine de la création de l'ECC1 sur mesure de la Cour suprême. C'est ça qui a changé depuis ces 10 dernières années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vient vous dire, oui, mais bien sûr, ça rentre parfaitement dans le cadre. Et pourtant, les faits de l'affaire 2 n'ont pas changé. Mais il y a eu une formule ad hoc pour condamner plus facilement, sans respect du principe de l'égalité. Parce que c'est ça le problème, monsieur le président, messieurs de la Chambre, de cette création de la Chambre de la Cour suprême, c'est que c'est une définition hybride qui permet de condamner les accusés plus facilement. Très, très, très bonne démarche de retournement de veste de côté de l'accusation et très pratique pour pouvoir avoir un blanc-seing pour condamner. Et là, tout d'un coup, des procureurs qui vous ont soutenu pendant 10 ans qu'il fallait absolument le CC3 et que le CC1 n'était pas suffisant pour condamner, on vous dit ah, ça suffit. C'est bien pratique. Et
On fait un suivi opportuniste de cette décision qui est une décision unique de la Cour suprême. Et je vais m'expliquer. Nous avons développé, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, très longuement cette question de l'entreprise criminelle commune dans notre mémoire. C'était important pour nous de montrer le mécanisme qui a été utilisé par la Chambre de la Cour suprême pour détourner ce principe de, normalement, dans le CC1, il n'y a pas de crime éventuel. Normalement, il n'y a pas de conséquences prévisibles et éventuelles. Et ce qu'a fait la Cour suprême, c'est qu'elle a introduit les crimes prévisibles dans le projet commun. Alors j'espère que vous avez...